Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous vous saluons tous cet après-midi dans le nom du Seigneur. We greet you all in the holy name of our Lord Jesus. Et à tous ceux qui ont répondu à notre invitation, nous disons merci. Kwa wale wote walifika aliko yetu tunawaambia asante kwa kuja kwao. We thank all of you who have accepted our invitation. Je tiens aussi à présenter nos excuses. Naomba pia kuwatu watusamehe. À tous ceux qui ne sont pas dans une position confortable. Wale wote abana pa mafashi ya mzuri mukikala. La salle est limitée. Chumba inabeba batu bakwenea ina bote. Nous avons des frères et des sœurs à l'extérieur. Tuguna wa ndugu na wadada wenye kuya kule nje. Qu'ils acceptent un peu de souffrir. Mais l'essentiel, c'est la prédication de la parole de Dieu. What is important is the word of God. C'est vraiment un grand jour pour nous. Nos cœurs sont dans la joie. Et je vous demande que vous puissiez inclure vos têtes juste pour une courte prière. Seigneur, Dieu est notre Père. Bwana Mungu na Baba yetu. Venons humblement devant ta face pour te dire merci. Yote mbele ya uso wako kwa mbia asante. We are saying thank you, Lord. Toi, tu connaissais ce jour. Ulijua hii siku. You knew this day. Tu connais aussi nos cœurs. You know our hearts. Tu sais combien nous apprécions de tels moments. You know how much we do appreciate this time. Unajua mara ngapi tunafurahia mawakati ya hivi. Et en réunion, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Being gathered in this place in the name of our Lord Jesus. Unikusanyika hapa mjina la Bwana Yesu Kristo. Nous croyons fermement que Jésus est avec nous par son esprit et par sa parole. We truly believe that the Lord is with us by His Spirit and by His Word. Seigneur, conduise ce service. Lord, may you lead this service. Bwana upate kuongoza hii kazi. Et chacun venant ce lieu, whoever has come in this place, na kila mmoja akakuja mahali hapa, chacun croit que le Seigneur parlera. And each one believes that the Lord is going to speak to us. Kila mmoja anaamini asema Bwana atasema naye. Honore notre foi. Honore our faith, Lord. Heshimu imani yetu. Et accorde à ton serviteur de paroles de vérité pour notre édification. Grant to thy servant the word of the truth for our edification. Napatia mtumishi wako maneno ya kweli juu ya kujengwa kwetu. Béni tes fils, béni tes filles. Bless your sons and your daughters. Bariki wana na binti zako. Et souviens-toi cet après-midi de tous ceux qui ont besoin du salut. And remember also in this afternoon those who are in need of salvation. Nous savons que tu appelles par la parole. We do know you do call through the word. Et Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. And Jesus said, my sheep know my voice. Nous avons l'assurance, Seigneur. We do have the assurance, Lord. Que tout sera fait pour ton honneur. That all is going to be done for your honor. Et tout sera fait pour l'avancement du royaume. And it's going to be for the advancement of your kingdom. Bénis ton serviteur. Bless thy servant, Lord. Bariki mtumishi wako. Utilise puissamment, Seigneur. Use him mightly, Lord. Mtumie na uwezo yote, Bwana. Pour notre édification. For our edification. Juu ya kujengwa kwetu. Nous croyons, Seigneur. We believe, Lord. Tunaamini, Bwana. Que tu l'accorderas. That you are going to grant it to him. Car c'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Because we've asked in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Tunakulomba hiyo mjina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Amen. Amen. Excusez-nous aussi pour ce léger retard, mais on a du temps.
Forgive us for the late, but we're still having time. Tuvumieko kidogo jua hivi tunachelewa hako lakini tungaliko na wakati. Nous allons écouter la parole de Dieu par notre bien-aimé frère Frank. We are going to listen to the word of God by our beloved brother, brother Frank. Tutasikia neno ya Mungu kupitia mpendwa wetu ndugu Frank. Il est dans nos murs depuis lundi la nuit. He's been fasting since Monday night. Alifika humu nchi yetu tangia mkazi moya usiku. Hier, il a apporté la parole à Likasi. Jana ni ubiri neno ya Mungu kule kulikasi. Et le Seigneur nous a beaucoup béni. Na Bwana atubariki sana. Nous croyons qu'il en sera de même pour nous cet après-midi. Na mimi tena nasikia hii magharibi leo tena Mungu atatubariki vile vile. Qu'il ne soit permis. De vous présenter notre bien-aimé frère Franck un peu de nous. Je veux juste utiliser l'écriture pour introduire la chose. Let me use a scripture in order to leave the thing. Yatumia andiko moja juu kuweza kusemea pa ile mambo ingilio. Lisez avec moi la deuxième épître de Paul à Timothée. Let us read in 2 Timothy. Tutasome pamoja na mie barua ya pili ya Paulo kwa Timoteo. Au premier chapitre. 2 Timothy chapter 1. Sura yake ya kwanza. Le verset 7 et 8. On verse 7 up to 8. Mstari yake ya 7 na ya 8. Nous lisons la parole de Dieu. We are reading the word of God. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power and love and self-control. Sababu roho ya Mungu haitufanye tukue baridi lakini inatufanya tukue bantu ba kamu. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Do not be ashamed then of testifying to our Lord, none of me is prisoner. Lakini usiwe na haya ya kushuhudia Bwana wala juu yangu mie mfungwa wake. C'est un passage merveilleux. It's a marvelous scripture. Ini andiko moya mastajabu. Paul écrivait à son compagnon d'œuvre Timothée. Paul was writing to his fellow Timothy. Paulo alikuwa anaandika mtendakazi pamoja naye Timotheo. Paul ne pouvait pas demander une telle chose à Hyménée. Paul could not ask such thing to Hyménée. Paulo angeweza kuomba kitu hii namuna kwa Imene. Mais il pouvait le faire avec Timothée. But he can only do it with Timothy. Lakini aliweza kuifanya na Timotheo. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Do not be ashamed then of testifying to our Lord. Usiwe basi na haya kushuhudia Bwana wetu. Ni de moi son prisonnier. Now of me is prisoner. Wala juu yangu mie mfungwa wake. Nous vivons encore le temps de la Bible. We are still living in the days of the Bible. Tunaishi tena wakati ya Biblia. Et nous croyons que Frère Frank est aussi un prisonnier du Seigneur. We do believe that our brother Frank is also a prisoner of the Lord. Tunaamini tena ndugu yetu Frank naye ni mfungwa wa Bwana. Nous ne sommes pas dans l'embarras ce sujet. We are not confused or we are not doubting about this subject. Paile mambo haina kusema atuiwe bio mzuri, tuiwe mzuri sana. Et nous n'avons pas honte de rendre témoignage. We are not ashamed to give testimony. Na tuna na haya kumshuhudia kushuhudia vile. Aujourd'hui nous recevons un homme de Dieu véritable. Today we are receiving a genuine man of God. Leo tunapokea mtumishi wa Mungu wa bia kweli. Un ministère correctement ordonné et identifié. A ministry which was ordained or established for this time. Utumishi ile Mungu mwenyewe aliweka yenye kuwekwa mzuri mkazi. Savez mes frères que nous naviguons sur l'océan de la vie. We are, I mean,
We are flowing on the ocean of life. Banduku munyasa tukunatembea pabali mkubwa ya maisha mkutembea pale. Et nous avons besoin d'une véritable orientation. And we need a genuine orientation. Na tukuna lazima kweli ya kuongozwa mzuri. Et Dieu a sa manière d'orienter son peuple. God has his way of leading his people. Na Mungu yuko na namna yake ya kuongoza watu wake. Il le fait toujours au moyen de ses promesses. He does it always through the means of his promises. C'est-à-dire quand Dieu accomplit les promesses contenues dans les Écritures, it means like when God fulfilled the promises which are written in the Scriptures, cela signifie pour son peuple l'orientation divine. It means for his people that it's a divine orientation. Et nous vivons des moments prophétiques. We are living in the prophetic time. Et nous savons. And we know. Que pour notre temps, for our time, la promesse principale sera le retour du Seigneur Jésus Christ. The promise is the return of our Lord Jesus Christ. Mais il y a des promesses qui vont avec cela. There are promises which go together with that. Beaucoup parfois parlent du retour du Seigneur. Many think about the return of the Lord. Mais cela n'est pas suffisant. That's not sufficient. Parce que nous devons nous préparer. We have to prepare ourselves. Et dans la Bible, in the Bible, dans la Bible, il y a un groupe qui se prépare. There is a group which is preparing themselves. Et ce groupe est appelé l'épouse. And that group is called the bride. Na ile kundi inaitwa bibi harusi. L'épouse s'est préparée. The bride is preparing herself. Bibi harusi amekwisha jitayarisha. Et Dieu dans sa sagesse. God in his wisdom. Na Mungu mwenye hekima yake. Pour préparer l'épouse. In order to prepare the bride. Jok tayarisha bibi harusi wake. Et pour perfectionner l'épouse. And to perfection the or to make to perfection the bride. Na jok kukamilisha bibi harusi wake. Il y a des promesses qui doivent être mises en évidence. And the promises which have to be fulfilled. Dieu a promis d'envoyer un prophète appelé Élie. God promised to send a prophet by the name of Elijah. Malachi chapitre 4 verset 5 à 6. Malachi chapter 4 from verse 5 up to 6. C'est une promesse particulière pour tout véritable croyant biblique. It's a particular promise for a true genuine believer of God. Et Dieu a fait l'histoire du salut dans la plus grande simplicité. And God has done the history of salvation in a simplicity of words. Le monde est passé à côté. The world is aside. Dunia inakosa kuona ile. Seuls les élus restent attentifs à la parole de Dieu. Only the elect who are attentive to the word of God. Dieu parle de notre âge. God has spoken our heads. Il a parlé de la famine. He has spoken about the famine. Amos 8:11. Amos chapter 8 verse 11. Amos 8 mstari 11. C'est le temps dans lequel nous sommes. This is the time in which we are. Ndio mwile wakati ambao tunapatikana. Et Dieu en tant que bon père de famille. God as a good father of a family. Na Mungu sio baba mzuri wa jamaa. Il a pensé à sa famille. He thought about his family. Alikumbuka jamaa yake. C'est pourquoi dans Matthieu 24. That's why in Matthew chapter 24. Ndio maana Matthayo 24. Le verset 45 à 47. From verse 45 up to 47. Il est parlé d'un serviteur fidèle et prudent. It talks about a prudent and faithful servant. Et je crois que chaque mot est à sa place. And I truly believe each way that it is at his place. C'est une promesse concernant un serviteur fidèle à la parole et prudent. It's a promise concerning a servant who's faithful and prudent. Ni malako inaangalia mtumishi mwenye kuwa mwaminifu kuneno na eko na itumikiwa akili kwenye itumikisha mzuri. Et Dieu aussi a fait l'histoire du saint.
God also has planned the age of salvation. Na Mungu alifanya historia ya wokovu. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, today, my brothers and sisters, na leo hii ndugu na dada, par la grâce de Dieu, by the grace of God, kwa neema ya Mungu, nous sommes en train d'expérimenter la chose. We are experiencing the thing. Tukunaishi ile kintu. Et le monde est passé à côté. And the world can't recognize it. Mais les vrais enfants de la promesse. But the true children of the promise. Croient l'accomplissement des promesses. They believe the fulfillment of the promise of God. Banaamini kutimilika kwa malaiko ya Mungu. Et c'est vraiment une particularité. It is something which is particular. Na ile kweli ni mambo moya upeke kabisa. Laissez-moi aussi dire une chose. Let me say something. Mniache kunionyesha kitu moya. Sinizanga. It's kind of an old warning. Ni ukaramusho. Concernant tout qui prétend croire ce message. Concerning those who pretend to believe this message. Kuhusu wote anawazia kuamini ujumbe. Je crois dans Jean chapitre 5 verset 47 à 49. Je ne comprends pas. I believe in John chapter 5 verse 49 of 45. Wazia Yohane 5 mstari wa 47 kufika 49. Jesus was addressing to the Jewish. Yesu alikuwa anaambia Bayuda. Moi, je ne vais pas vous accuser devant les pères. C'est Moïse qui le fera. I am not going to accuse you before my father. It's Moses who's going to do it. Aina mimi nitamshitaki mbele ya baba, lakini ni Musa ndio atamshitaki. Because you've put all your hope into Moses. Sababu mwa mnaweka tumaini yenu yote yulu ya Musa. Mais en réalité, vous ne croyez pas dans les écrits de Moïse. Truly, indeed, you don't believe in the writings of Moses. Kwa kweli, amuamini mubile Musa aliandika. Parce que Moïse a écrit à mon sujet. Because Moses did write concerning me. Sababu Musa aliandika kuhusu mimi. Et je me demande si l'histoire n'est pas en train de se répéter. I'm asking myself if the issue is not being repeated here. Unajiuliza kama ile mambo haifanyike tena na hapa sasa. Dieu a envoyé un prophète. God has sent a prophet. Mungu alituma nabii moya. Et Frère a dit quelque chose à ce sujet. And Brother Bram did speak about this subject. Ndugu Bram alisema mon frère kuhusu hii mambo. Comment peut-on être insensible? How can you be insensible? Je, watu wanakosa kushituka. Tous ceux qui affirment. All those vindicate. Ule wote kwa nakikishi. Que Dieu envoie un prophète. That Brother Bram is a prophet. Asa Mungu alituma nabii. Mais qu'il fasse aussi attention aux avertissements du prophète. They should pay heed to the warning of the prophet. Afanye ukaramusho tena kuile maukaramusho yote nabii alisema. L'histoire est en train de se répéter. The issue is being repeated. Ile mambo ya zamani iko nafanyika tena na hapa sasa. C'est pourquoi mes frères, that's why my brother, ndiye mara banduku yangu, nous devons remercier le Seigneur. We have to thank the Lord. Tunapaswa pika Mungu asante pour l'accomplissement de ses promesses. For the fulfillment of this promise. Et nous avons pris position pour la parole de Dieu. And we've taken the stand for the word of God. Il ne s'agit pas de nom. It's not about the number. Il s'agit de l'accomplissement des promesses de Dieu. But it's all about the fulfillment of the promises of God. C'est un ministère final. Ni huduma moja ya kumwisho. Pour achever l'œuvre. In order to, to achieve the work. Hii huduma ndio iko inamaliza yenye kazi. It's a final sur la promesse de la parole de Dieu. It's based upon the promise of the word of God. Yenye kusimamia paneno ya malaiko ya Mungu. Et en rapport avec le plan du salut. In relation with the plan of salvation. Na kuambatana na mapu ya wokovu. Et vous savez, quand il y a une promesse, you know, if there's a promise, c'est ça même l'autorité absolue. This is the absolute authority. Il est déjà mamlaka ya juu kabisa. Mais Dieu a fait de grandes choses. God has done great things. Lakini Mungu alifanya vitu vikubwa. Nous nous accrochons à la parole de Dieu. We do cling to the word of God. Si tunaomba nguvu kwa neno ya Mungu, nous ne pouvons pas faillir. And it will never fail. Neno ya Mungu haiwezi kukotola. Le prophète de l'heure a dit quelque chose à ce sujet. The prophet of God has said something concerning this subject. Nabii wakati alisema kuhusu hii mambo tunasemea. Et nous avons même des témoins. We do have witnesses. Na tuko na bashuhuda pa ile.
Nous avons des témoins. We do have witnesses. Nous avons ce que le prophète a dit. We do have what the prophet has said. Et il y a la parole qui vient couronner le tout. And there's also a view of there's also a word for everyone. Je me réjouis après mon frère Didier pour un témoignage. Et après nous écoutons la parole. I'm going to invite Brother Didier for a testimony and then we are going to listen to the word of God. Que le Seigneur vous bénisse richement. May God bless you richly. Nous avons la pleine conviction que le seul célèbre parmi nous demeure le Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que c'est lui qui envoie ses serviteurs. Chaque fois que notre bien-aimé frère Ewald Frank rendait témoignage de son appel, il disait aussi qu'il y avait deux témoins qui étaient avec nous à la table le 3 décembre 1962. Alors, il parlait de frère Banks Hood et le frère Fred Sotman. Dieu m'a donné le privilège d'arriver à Jeffersonville. God granted the privilege to go to Jeffersonville. Quand j'ai rencontré un de frères, le frère Fred Sotman, dans mon cœur, j'avais une question. In my heart, I had a question. Je croyais déjà, mais une occasion m'a été donnée. I did believe it already, but the occasion was in front of me. Je lui ai posé la question, mon frère, est-ce que vous connaissez un frère européen? I did ask my brother, do you know a certain brother from Europe? Qui a été appelé par le Seigneur pour prêcher la parole et distribuer la nourriture. Who was called by the Lord in order to preach the word and distribute the word? Il m'a dit, effectivement, je connais le frère. He told me, surely, I know a brother. Je ne lui avais pas cité le nom, mais lui-même m'a donné le nom. I did not tell him the name, but him told me the name. Il m'a dit, j'étais présent et le nom de ce frère, c'est Ewald Frank. He told me that I was there and the name of the brother is Ewald Frank. Quand le frère Branham a confirmé son appel, moi, Fred Sotman, j'étais présent. When Brother Branham did confirm the calling of Ewald Frank, I, Brother Sotman, I was there. Alors là, je lui ai posé la question, mais mon frère, pourquoi vous ne rendez pas ce témoignage? And I did tell him or ask him a question, my brother, why don't you testify about it? Je lui ai dit aussi le pourquoi, je dis, il y a beaucoup de confusion dans le monde. And I told him why, and then I said, there are so many confusions in the world. Il m'a dit, je ne rends pas ce témoignage parce que frère Frank ne croit pas que William Branham est notre Seigneur. He said, I don't testify about it because Brother Frank does not believe that Brother Branham is our Lord. I said, I said, et là, je lui ai dit, mon frère, moi non plus, je ne crois pas que William Branham est notre Seigneur. Brother Branham is our Lord.
Et là, soudainement, il m'a dit, mais frère Didier, qui est-ce qui doit ouvrir les seaux dans Apocalypse? And he told me, brother Didier, who's going to open the seals in the book of Revelation? Je lui ai dit, selon la Bible, c'est le lion de la tribu de Judas. I told him, according to the Bible, it's the lion of the tribe of Judah. Et lui, il m'a dit, n'est-ce pas, frère Branham? Isn't it that is brother Branham? Je lui ai dit, Jean-Baptiste n'a pas vu frère Branham, il a vu un agneau qui était là comme une. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons le privilège en ce temps d'écouter la véritable parole de Dieu. Et nous croyons que l'épouse de Jésus-Christ n'est pas préparée par des interprétations particulières, mais par la parole pure de notre Dieu. We truly believe that the bride of Jesus Christ is not preparing by the false doctrine, but by the genuine and truth word of God. Ce même jour-là, j'avais demandé aux frères de pouvoir prier. Estimez-vous heureux, frères et sœurs. That day I did ask the brother to pray even. Estime yourself to be people. J'ai demandé, prie maintenant, je voudrais partir. Ask the brother to pray because I was about to depart. Et nous avons fermé les yeux. We did close our eyes. Et j'ai entendu l'invocation Notre Seigneur Joseph. And I heard how the brother was praying. Our Lord Joseph. Là, j'ai ouvert les yeux. And I did open my eyes. Non, frères et sœurs. It's not that way, my brothers and sisters. Je suis simplement heureux d'avoir découvert ce que le Seigneur fait maintenant. I'm so glad to discover what the Lord is doing right now. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour ce ministère actuel. I'm so grateful to the Lord for this ministry of prayer. Loin de nous d'être fanatiques, nous ne sommes pas fanatiques. Mais nous témoignons ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Le seul qui nous a sauvés et qui nous a fait les promesses. Nous croyons de tout cœur que nous ne sommes pas dans l'évangile social, mais le Seigneur nous a fait grâce de croire et de demeurer dans la parole de Dieu. Et c'est ce que fait notre bien-aimé frère Ewald Franc. Que Dieu soit loué et que Dieu bénisse chacun de vous. Nous allons juste chanter un cantique avant d'écouter la parole de Dieu. Le frère en prend déjà sa voix. Thank you.
C'est suivi partout. Les gens n'ont pas fait cher. Utilisez vos zooms pour faire ça. Notre premier zoom, Dieu a Kubama. Il faut du respect pendant la prédication. Il n'a pas fait Shima Wakati Amaubi. Merci. I don't have words to express how I feel. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Nina posta misemo Dieu a konesha ile minashikia. I'm sure this is the day the Lord has made. Je suis sûr que ceci est le jour que le Seigneur a fait. And may the blessings of God rest upon those who gather here today. Que les bénédictions de Dieu reposent sur ceux qui sont rassemblés ici aujourd'hui. May the blessings of God rest upon all who are switched on online to hear the message today. Et que les bénédictions de Dieu soient sur ceux qui suivent en direct sur Internet aujourd'hui. By the grace of God, I'm going to share God's word with you. Par la grâce de Dieu, je vais partager avec vous la parole de Dieu. For heaven and earth will pass away, but God's word remains forever. Car les cieux et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. There are always two groups of people when the word of God is being preached. Il y a toujours deux groupes de gens quand la parole de Dieu est apportée. John chapter 8 verse 47 says. Dans Jean chapitre 8 verset 47, il est écrit. He that is of God hears the words of God. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. But to the scribes, our Lord had to say. Mais aux scribes, notre Seigneur devait dire. You don't hear the words of God because you're not of God. Vous n'écoutez pas les paroles de Dieu parce que vous n'êtes pas de Dieu. In the days of our Lord, thousands came to hear the message. Au jour de notre Seigneur, des milliers étaient venus écouter le message.
In Matthew chapter 3, from verse 1 to 3. Dans Matthieu chapitre 3, du verset 1 au verset 3. We're told precisely what happened at the first coming of Christ. Il nous est décrit exactement ce qui est arrivé lors de la première venue de Christ. John the Baptist was a man sent from God with the message of God. Jean-Baptiste était l'homme envoyé par Dieu avec le message de Dieu. And Bible prophecies were fulfilled through his ministry. Et au travers de son ministère, les prophéties bibliques furent accomplies. The promise of Isaiah chapter 40 verse 3 was fulfilled. La promesse d'Ésaïe chapitre 40 verset 3 fut accomplie. Malachi 3 verse 1 was fulfilled. Malachi chapitre 3 verset 1 fut accompli. And if you read Matthew 3 from 1 to the end, et quand vous lisez Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à la fin, from Jerusalem and from all the region of Judea, the people came to hear the message of God. De Jérusalem et dans tous les peuples rassemblés dans Judée, ils étaient rassemblés pour écouter la parole de Dieu. And those who believed were baptized. Et ceux qui avaient cru furent baptisés. Faith and obedience go together. La foi et l'obéissance vont ensemble. If you believe, you obey. Si vous croyez, vous allez obéir. Mark chapter 16:16. Marc chapitre 16 verset 16. Those who believe and are baptized shall be saved. Ceux qui croiront et se feront baptiser seront sauvés. This we have to understand very clearly, beloved brothers and sisters. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre cela très clairement. We must have our personal relationship with God through Christ our Lord. Nous devons avoir notre relation personnelle avec Christ au travers par Dieu au travers de Christ. You must know of a day in your life when you repented and gave your life to Christ. Vous devez reconnaître le jour dans votre vie vous êtes repenti et donné votre vie au Seigneur. Only if you recognize that you are lost, you can be saved. C'est seulement en reconnaissant être perdu qu'on peut être sauvé. Only if you realize you're wrong, you can be made right. C'est seulement en reconnaissant avoir tort qu'on peut avoir raison. In Matthew chapter 15, our Lord spoke a wonderful word. Dans Matthieu chapitre 15, notre Seigneur a dit des paroles merveilleuses. It's verse 8 and 9. Au verset 8 et 9. This people draws near to me with their lips, with their mouth. Ce peuple m'honore des lèvres. And they honor me, they honor me. Ils m'honorent, but their hearts are far away from me. Mais son cœur est éloigné de moi. But in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. All the religious worship is in vain. Toute adoration religieuse est en vain. Wherever the doctrines of men are being taught. Partout où il y a des préceptes, des doctrines humaines sont enseignées. All the worship services are in vain. Toutes ces réunions d'adoration sont en vain. In John chapter 4, our Lord said, dans Jean chapitre 4, notre Seigneur a dit, God is spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité.
katika roho na ukweli. So by the grace of God, the message of the hour is to bring us back to the word. Ainsi par la grâce de Dieu, le message de l'heure c'est nous ramener à la parole. And we shall quickly touch on a few main points. Et nous allons toucher les points principaux. By the grace of God, the New Testament church is restored to where she was at the beginning. Par la grâce de Dieu, l'église du Nouveau Testament est restaurée telle qu'elle était au commencement. When the scripture speaks about John the Baptist's ministry, quand l'écriture parle du ministère de Jean-Baptiste, always the word prepare is being used. C'est utiliser le verbe préparer. In Isaiah chapter 40, dans Ésaïe chapitre 40, in Malachi 3, dans Malachie chapitre 3, in Luke chapter 1, dans Luc chapitre 1, in Matthew chapter 11, dans Matthieu chapitre 11, prepare. Prépare. Tayarisha. And according to the word of God, et selon la parole de Dieu, when God made the promise for the prophet before the great day comes, quand Dieu a fait la promesse du prophète qui doit venir avant le grand jour, he used the word restore. Il a utilisé le mot restaurer, ramener. Malachi chapter 4, Malachi chapitre 4, he shall restore. Il ramènera. Matthieu 17, 11. Matthieu chapitre 17, verset 11. I will send you Elijah and he will restore all things. Et je vous enverrai Élie, il rétablira toutes choses. Mark chapter 9, verse 12. Marc chapitre 9, verset 12. Surely Elijah shall first come and restore. Il est vrai qu'Élie viendra premièrement, rétablira toutes choses. It's a message of restoration to the very beginning. C'est le message même de la restauration du commencement. The first and the last sermon must be the same. La première et la dernière prédication doivent être identiques. The first and the last baptism must be the same. Le premier et le dernier baptême doivent être identiques. The first and the Lord's baptism must be the same. Le premier et le dernier repas du Seigneur doivent être le même. So we have to go back to the Great Commission. Ainsi, nous devons retourner à la Grande Commission. The Great Commission is found in the four Gospels. La Grande Commission, on la trouve dans les quatre évangiles. In Matthew chapter 28, verse 19. Dans Matthieu chapitre 20. Are you ready to love your brother and your sister with all your heart? Êtes-vous prêt à aimer vos frères et sœurs de tout votre cœur? Are you ready to come into the unity of the faith in the body of Christ? Êtes-vous prêt à parvenir à l'unité de la foi dans le corps de Christ? So it was at the very beginning in the book of Acts. Ainsi en était-il au commencement dans le livre des Actes. At the very beginning there was no false brethren. Au commencement il n'y avait pas de faux frères. No wrong teaching. Aucun faux enseignement. No wrong imitation of the gifts of the Spirit. Il n'y avait aucune imitation du don du Saint-Esprit. At the very, very beginning. Au commencement même. It was the true body of Christ. C'était le véritable corps de Christ. And all the members were baptized by the Holy Spirit. Et tous les membres étaient baptisés du Saint-Esprit. There was a divine harmony in the body of Christ. Il y avait une harmonie divine dans le corps de Christ. A divine order in the ministries God placed in the church. Il y avait un ordre divin dans le ministère que Dieu avait établi dans l'église.
But a few years later, mais quelques années plus tard, many, many things happened. Plusieurs choses sont apparues. Especially the Apostle Paul has written about it. Et particulièrement l'apôtre Paul a écrit à ce sujet. But let me say this. Mais permettez-moi dire ceci. Now, the bride of Christ. Maintenant, l'épouse de Christ comes out from all confusion, sort de toutes les confusions. No true child of God will believe any interpretation. Aucun vrai enfant de Dieu ne peut croire une interprétation. Every true child of God will believe every word of God. Chaque vrai enfant de Dieu croira chaque parole de Dieu. And just as the Lord and Savior was the Word manifested in flesh, comme notre Seigneur et Sauveur était la parole manifestée dans la chair, so the Bride of Christ will be the manifested Word of this hour. Ainsi, l'épouse de Christ sera la manifestation de la parole en ce temps. This is the day the Lord has made. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. And I believe with all my heart. Et je crois de tout mon cœur. That you are chosen by Almighty God. Que vous avez été élu par le Dieu Tout-Puissant. And you are predestined to hear the word of God. Et vous avez été prédestiné à écouter la parole de Dieu. And to believe as the scripture says. Et de croire comme le dit les Écritures. And have part in what God is doing right now. Et prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Let me make this statement. Permettez-moi faire cette déclaration. Many look back to what God did in the days of William Branham. Il y en a plusieurs qui regardent en arrière à ce que Dieu a fait au temps de William Branham. And there is nobody on earth who appreciates William Branham more. Il n'y a personne sur la terre qui apprécie Frère Branham plus que moi je le fais. I'm an eyewitness. Je suis un témoin oculaire. I'm an ear witness. Je suis un témoin auriculaire. I can say like John the Apostle. Je peux dire comme l'apôtre Jean. What my eyes have seen. Ce que mes yeux ont vu. What my ears have heard. Ce que mes oreilles ont entendu. From the word of life. De la parole de la vie. That we share with you. C'est ce que nous partageons avec vous. I knew Brother Branham for 10 years. J'ai connu Frère Branham pendant 10 ans. I drove with him in the same car. J'étais avec lui dans la même voiture. He was on the steering wheel. C'est lui qui était au volant. And I was sitting next to him. Et moi j'étais assis à côté de lui. I ate with him at the same table. J'ai mangé avec lui autour de la même table. I saw the supernatural ministry. J'ai vu ce ministère surnaturel. The same ministry our Lord had, the Son of Man. Le même ministère qu'avait notre Seigneur en tant que Fils de l'homme. Like our Lord could say in John chapter 1. Comme notre Seigneur pouvait dire dans Jean chapitre 1. Before Philip called you, I've seen you under the tree. Avant que Philippe ne t'appelle, je t'avais vu sous le figuier. He could say to Peter, thy name is Simon, thy father's name is Jonas. Il pouvait dire à Pierre, ton nom est Simon, et le nom de ton père est Jonas. He could tell the woman at the well. Il pouvait s'adresser à la femme au puits. Five husbands you had, the one you've got now is not your husband. Tu as eu cinq maris, et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Our Lord had to be a prophet. Notre Seigneur devait être un prophète. Because in Deuteronomy chapter 18, parce que c'est écrit dans Deutéronome chapitre 18, God made the promise. Dieu a fait la promesse. I will raise a prophet from among your brethren. J'élèverai parmi vos frères un prophète.
As a prophet, he saw visions. En tant que prophète, il voyait, il avait des visions. Kama nabii alikuwa naona, alikuwa na maono. That's why the Bible says. C'est ainsi que la Bible dit. Vile Biblia inasema. In John chapter 5 verse 19. Dans Jean chapitre 5 verset 19. Yohane 5:19. The son can do nothing but what he sees the father do. Le fils ne peut rien faire de lui-même, mais il fait que ce que le père fait. Mwana hawezi kufanya kitu mwenyewe, ni paka anaona ile baba anamuonesha. The same ministry repeated in our time. Le même ministère s'est répété dans notre temps. When Brother Branham had his meetings in Germany, quand Frère Branham avait tenu ses réunions en Allemagne, and the people came into the prayer line, les gens qui s'approchaient dans la ligne de prière, God revealed to him who the person was. Dieu lui avait lui révélé qui était la personne. He could tell a sister, a lady. Il pouvait s'adresser à une dame. You're not from this city. Tu ne viens pas de cette ville. You live in Hamburg. Tu vis dans la ville de Hambourg. You are a nurse. Tu es une infirmière. I see you in a hospital. Je te vois travaillant dans un hôpital. Told him all the details. Et il lui a dit tous les détails. He could speak to a brother. Il pouvait s'adresser à un frère. You're not from this city. Tu ne viens pas de cette ville. You come from Berlin. Tu viens de Berlin. For every person our brother prayed. Pour chaque personne pour laquelle Frère Branham devait prier. God showed him a vision. Dieu lui donnait une vision. And the supernatural light came down. Et la lumière surnaturelle descendait. And was over the person. Et demeurait sur la personne. 1,500 times, Brother Branham said. 1,500 fois, Frère Branham a dit. The same pillar of fire that was with Moses. La même colonne de feu qui était avec Moïse. The same supernatural light that was with Israel. La même lumière surnaturelle qui accompagnait Israël. Is with us today. Et avec nous aujourd'hui. Jesus Christ is the same yesterday, today, forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. And especially when Brother Branham spoke to a couple with the girl. Et particulièrement quand Frère Branham avait parlé à un couple qui avait une petite fille. Brother Branham said, "You're not from this country." Et Frère Branham leur a dit, "Vous n'êtes pas de ce pays." You come from Switzerland. Vous venez de la Suisse. Your daughter was born blind. Que ta fille est née aveugle. Binti wako alizalika kipofu. But Jesus Christ is present. Mais Jésus-Christ est présent. Lakini Yesu Kristo yuko hapo. And beloved brothers and sisters. Et bien-aimés frères et sœurs. Just asking, do you believe? Et il leur a demandé seulement, croyez-vous? Na akabauliza tu munaamini? And then a short prayer. Et il a fait une courte prière. Akaomba kwa ufupi tu. Very short. Très courte. And then he pronounced the healing. Et il a prononcé la guérison. The 11-year-old daughter was healed in a moment. Et la fille de 11 ans était guérie instantanément. I saw Bible days. J'ai vu les jours de la Bible. I saw the confirmation of the word of God. J'ai vu la confirmation de la parole de Dieu. I saw Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. J'ai vu Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. But here is the main point. Mais voici le point principal. Many in the message look what God has done. Il y en a plusieurs dans le message qui regardent à ce que Dieu a fait. And they speak about the prophet. Et ils parlent du prophète. Many make a journey to his tomb. Et il y en a plusieurs qui font un pèlerinage, un voyage
dans sa tombe, vers sa tombe. Jeffersonville has become like a pilgrimage place. Et Jeffersonville est devenu comme un lieu de pèlerinage. And most of them believe that Brother Branham will raise from the dead. Et la plupart croient que Frère Branham va ressusciter des morts. And have a ministry in a tent. Et qui va tenir un ministère, il aura un ministère sous la tente. In this message, many people believe different things. Et dans ce message, il y en a tellement qui croient des choses différentes. Hear me what I say in the name of the Lord. Écoutez-moi ce que je dis au nom du Seigneur. If there is no promise in the word of God, there can be no fulfillment. Si il n'y a aucune promesse dans la parole de Dieu, il ne peut donc pas avoir d'accomplissement. Only if there is a promise in the word of God. C'est seulement si il y a une promesse dans la parole de Dieu. Then God would fulfill his promise. Ainsi Dieu peut accomplir sa promesse. You know what the main commission was? Et vous savez c'est quoi la commission principale? As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ. De même que Jean-Baptiste fut envoyé lors de la première venue de Christ. You are sent with the message that will forerun the second coming of Christ. Tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. These words were said from the supernatural light. Ces paroles ont été prononcées de la lumière surnaturelle. On June 11, 1933. Le 11 juin 1933. When Brother Branham was baptizing in the Ohio River. Quand Frère Branham était en train de baptiser dans le fleuve Ohio. And the supernatural light descended visible to everybody present. Et la lumière surnaturelle est descendue et c'était visible aux yeux de tous. And then the voice spoke to Brother Branham. Et la voix s'adressa à Frère Branham. And then he even made with emphasis. Et il a même insisté sur cette déclaration. Not that I would forerun the second coming. Ce n'est pas moi qui vais précéder la seconde venue. But the message God gave to me will forerun the second coming. Mais le message que Dieu m'a donné sera le précurseur de la seconde venue. I say this with a broken heart. Je dis ceci avec un cœur brisé. Our brothers in America. Nos frères en Amérique and in different countries, et dans des différents pays, they have not recognized what God has done since Brother Branham was taken to glory. N'ont pas reconnu ce que Dieu fait depuis que Frère Branham fut repris auprès du Seigneur. As you know, I heard the voice of the Lord a number of times. Comme vous le savez, j'ai entendu la voix du Seigneur un certain nombre de fois. For the first time on April the 2nd, 1962. Pour la première fois, c'était le 2 avril 1962. Just before sunrise. Juste avant le lever du soleil. I was looking towards the window. Je regardais droit vers la fenêtre. And then something happened. Et quelque chose est arrivé. Mambo moya ikafika. From the right, the voice of the Lord God Almighty. Et de la droite, la voix du Seigneur Tout-Puissant. Na kutokea kume sauti ya Bwana Mwenyezi. In the German language. Il s'est adressé à moi en allemand. Akasema na mimi kijerumani. My servant, your time for this city will soon be over. Mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Wangu wakati yako kwa imuji itaisha sasa. I will send you to other cities to preach my word. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Nakutuma mumiji ingine kuhubiri neno langu. This Brother Branham confirmed on December the 3rd, 1962. Et ça, Frère Branham l'a confirmé le 3 décembre 1962. But what I wanted to say is this. Mais voici ce que je veux dire. I live in Germany. Moi, je vis en Allemagne. I had no knowledge of what happened on December the 18th. Je n'avais aucune connaissance
information de ce qui s'était passé le 18 décembre 65. Brother Branham was involved in a car accident. Frère Branham était impliqué dans un accident de voiture. And only a week later, et ce n'est qu'une semaine après, on December the 24th, le 24 décembre, le 24 mois de 12, he was taken to glory. Il fut repris dans la gloire. But here is the point. Mais voici le point. I, brother Frank, moi, frère Frank, me and Dougou Frank, saw William Branham going up on a cloud. J'ai vu William Branham montant sur une nuée. On December the 24th, le 24 décembre, le 24 mois de 12, having no knowledge of what had happened to him, ne sachant rien de ce qui lui était arrivé, he was taken up on a cloud, moving up, moving up. Il montait sur une nuée. And in this vision, I said, et dans cette vision, j'ai dit, Brother Branham, you're not the son of man. Why do I see you on this cloud? Frère Branham, tu n'es pas le fils de l'homme. Pourquoi je te vois sur cette nuée? Branham, mauna mwana wa mtu, kwa nini nakuona pa hii wingu?